Salut à tous, bienvenue. Vous le voyez sur ces premières images, la bonne nouvelle c'est qu'il fait très beau aujourd'hui. Pierre Ménès et moi-même, Hervé Mathieu, nous allons vous commenter ce match Lord face à Liverpool. Oui, Hervé, une équipe qui se présente en confiance. Franchement, ce serait difficile d'avoir des doutes après avoir été aussi étincelant lors de leur dernière sortie. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Andrew Robertson. Perdu, c'était Fabinho. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Il va être à bout portant. Oh, le beau geste défensif. Mohamed Salah, qui a vraiment explosé ces dernières années. Ça faisait longtemps que l'Égypte n'avait... Allez, il peut prendre l'espace. Oh, l'intervention courageuse du gardien. Bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Roberto Firmino. Wijnaldum avec Sadio Mané. Fabinho. Allez, les pronostics qui sont largement en faveur de Liverpool. Thiago Alcantara. Salah. Ah, c'est un peu précipité là. On écarte le jeu. Et bien sûr qu'il y a faute. La frappe. Le gardien qui repousse. Oh, le but. Oh, le but surprise. L'exploit qui est en marche. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Allez, oui, peut-être l'égalisation. Oh, le but. Oh, le but de Reds. Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur une réaction de Liverpool. Et ils égalisent donc un but partout. C'est une touche. On cherche la faille dans la défense adverse. Allez, l'occasion peut-être de mener. Et le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe! Et voilà, c'est parfait ça pour cette équipe. Ça va la mettre en confiance. Mais maintenant, attention, il y a un résultat à préserver. C'est le compteur à l'interception. Ça, ça peut être dangereux. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Ouais, c'est récupéré, c'est bien joué. Non, elle a été interceptée cette passe. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Fabinho. Tentative de loin. Et le dernier mot pour le gardien. Firmino. Ouh, c'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Oh, la bonne inspiration sur cette passe.
Oh, le but peut-être. Et la bonne intervention de Van Dijk. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ah oui, c'est très net. Coup franc. Intervention tranchante, hein, c'est une récupération. Oh là là, l'occasion. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Ah ouais, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. Ballon qui est donné en profondeur. Bon, l'arbitre qui a désigné le point de pénalty. Ça veut dire que l'équipe adverse va avoir un ballon d'égalisation. Et l'arbitre qui n'avait pas le choix sur cette faute et qui aurait même pu donner un carton jaune. Le gardien qui est parti du bon côté. Superbe intervention pour ce pénalty. Ah, il est bien parti ce corner. C'est repoussé par le gardien. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Perdu par Thiago Alcantara. On va peut-être assister à une contre-attaque. Le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel. Ah, une passe qui trouvera le gardien adverse. La fin des 45 premières minutes sur ce score. Match qui reprend pour Liverpool, qui doit absolument redresser la barre. Ça se passe mal pour l'instant. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Thiago toujours qui poursuit son action. Allez, faut centrer là. Attention, il y va tout seul. Oh, il était temps d'intervenir là. Mohamed Salah. En second poteau vers Sadio Mané. Oh, la reprise qui frôle le cadre. Ouais, c'était pas facile à réaliser, mais il a manqué d'un peu de réussite. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Il ne reste plus beaucoup de temps dans ce match et on se dirige vers une belle surprise. Ouais, le grand favori qui va probablement s'incliner. Alors là, qui l'aurait dit avant le match ? Un bon ballon à jouer pour les Reds. Allez, pourquoi pas l'égalisation ? Oh, le but ! Oh, le but des Reds ! Ah, comme quoi, il faut toujours compter sur une réaction de Liverpool. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Encore un bon ballon. On a bien fait le 1-2. On cherche une solution. Allez, l'occasion de passer devant. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, c'est un pénalty. C'est un pénalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Oui, Hervé, c'est probablement le tournant du match. Ah oui, pénalty. Pénalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère. Oh, il attrape le poteau. Ça sera un coup franc pour Liverpool. Pénalty manqué, ça ne fait jamais plaisir. Et puis ça arrive quand même à tout le monde. Mais là, l'entraîneur n'a pas l'air d'apprécier du tout. Centre de Mohamed Salah. Et il dégage. Wijnaldum. Ah, la bonne opportunité. Alcantara.
Roberto Firmino. Cherche une solution là. Et il est dépossédé du ballon. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. Occasion de prendre l'avantage. Oh, le ballon sauvé là au tout dernier moment. Sadio Mané. Adversaire qui hérite de ce ballon. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, il aurait dû retarder son appel. Thiago Alcantara. Fabinho. Ça, c'est très bien défendu. Ouais, ça, c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Oh, ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Thiago Alcantara. Ouais, il est passé. Ah, là, ça peut amener un but. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et la touche sera pour les Scousers de Liverpool. Thiago Alcantara avec Roberto Firmino. Thiago Alcantara. Ouais, le duel. Eh non, ça n'ira pas plus loin. C'est bien défendu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah non, cette contre-attaque ne donnera rien. Joe Gomez. Allez, les joueurs de Liverpool qui vont essayer d'aller arracher la victoire. Et devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Ah, il y avait l'idée, mais le gardien s'empare du ballon. Van Dijk, il va tâcher de s'en sortir, mais c'est assez dangereux. Sous la pression de l'adversaire. 7 minutes. 7 minutes à jouer dans ce match. Fabinho. Allez, les Reds. Ce serait un bon moment là pour prendre l'avantage. Il s'empare du ballon. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. La contre-offensive, toujours le but adverse qui se rapproche. Ah non, le ballon est perdu. Cette contre-attaque est terminée. Fabinho. Il est passé. Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Ouais, coup franc évident. L'arbitre l'a bien vu. Un coup franc plutôt lointain quand même, mais ça a pas l'air de lui faire peur, hein. Un geste plein de calme, de maîtrise. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Et elle n'ira pas au bout, cette contre-attaque. Allez, de l'air pour les défenseurs avec ce dégagement au pied du gardien. Il a préféré dégager ce ballon. L'arbitre qui siffle la fin de la rencontre et les deux équipes qui...
sempre so che non sono solo qualcuno lo fuori capisce bene quello che intendo se no non ci siamo dice di non l'ora vorrei sapere tu che fai non sopporto la gente che si dice sempre mai so che non sono solo qualcuno lo fuori capisce bene quello che intendo se no non ci siamo dice di non l'ora vorrei sapere tu che mi finisco tutta la serie, oppure dormo, oppure vedo qualcuno che appoggi sto mio sogno, oppure torno a sognare da solo, mi sveglio male la mattina, yeah, non voglio vedere para, e quindi ra, ra, e quindi ra, 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 e ti mando due kiss, ti mando due kiss, ti mando due kiss, ma rispondi please, ok te la tiri dai fatti. Sto sulla luna, non fate i bambini, non fate i carini. Se fai siete squali, te porti le altre da amici vicini. Non sopporto la noia, stavo sempre in mezzo ai guai. So che non sono solo qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo se non ci siamo. Dice di non l'ora vorrei sapere tu che fai. Non sopporto la gente che si dice sempre mai. So che non sono solo qualcuno là fuori capisce bene quello che intendo se non ci siamo. Dice di non l'ora vorrei sapere tu che fai. Anche questa notte faccio guai. Non mi importa se mi chiedi come voglio farli. Sopra palco cascali. Ma se il collo non si toglie sembra una sciarpa. L'inverno è volo su, amor blu. Sguardo in su, come parla sia mio nonno che ci faccio su. Quindi faccio su. La gente che giura alla fine sta mentendo. Lo senti cosa dici? No, non siamo amici. Se dici che il mondo è un posto dove star divisi, per me sei solo noia. L'odio costa come goia. Di condanni come prive cache. Ma c'è te se sei te fatto con me. Per avere eccitare me con gli altri. E c'è un peso sullo stomaco come quando alleno il diaframma. Credo solo a mia mamma. Se pensi a tutto quello che è successo fino ad ora Bonjour à tous, bienvenue à Paris, au Parc des Princes, avec une météo assez clémente, un très beau temps aujourd'hui pour cette rencontre. On va avoir un grand match de foot, pour vous le commenter, je serai en compagnie bien sûr de Pierre Ménès, le Paris Saint-Germain contre Liverpool. Ouais, personne n'a intérêt à perdre de points aujourd'hui, hein. Cela dit, après le nul de l'autre jour, perso, je ne te cache pas que j'aimerais voir un petit peu plus de prise de risque. Donne en retrait et le but, déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Voilà le score qui est donc ouvert 1-0. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Mohamed Salah. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Alors on se demande s'il y a vraiment cru. Neymar. Ah oui, c'est bien fait ça. Ah, il a bien lu le jeu. Van Dijk. Toy Gomez. Mohamed Salah. Salah. Ça aboutit finalement à cette perte de balle. Voilà, la bonne inspiration sur cette passe. Et cela ne donnera rien du tout. Roberto Firmino. C'est intercepté par Idrissa Gueye. Ballon récupéré par Liverpool. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Alcantara. Oh, il fallait le sortir, ce tacle. Kylian Mbappé. Retrait dans l'axe dangereux. En équipe qui aurait pu se mettre à l'abri, vraiment. Ouais, elle aurait dû, surtout. Hein. Je me demande s'ils ne vont pas regretter cette grosse occasion. Thiago Alcantara. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose, là.
Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Ballon en profondeur. Allez, il a de la place dans le couloir. Il y va tout seul. Oh, le beau geste défensif. Di Maria. Il glisse ce ballon en profondeur. Allez, le ballon en retrait. Oh, c'est juste à côté. Ouais, dommage. C'était plutôt joli ce qu'il a fait. Fabinho. En vert au Firmino. Ouais, joli coup d'œil du Firmino. Belle passe en profondeur. Un ballon piqué, parfaitement dosé. Allez, tout est à refaire. Un but partout. Sadio Mané. Il s'agaye. Florenzi. Neymar. Et il progresse toujours, Kylian Mbappé. Oh, ça peut tout changer s'il marque. Oh, le ballon qui frappe la transversale. Allez, il ne faut pas trop réfléchir dans ces cas-là. Au lieu de se lamenter, ben, il faut tout de suite repartir au boulot. Verratti. Mbappé. Mbappé qui s'est un petit peu troué. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Et un bon coup à jouer là. Et le but de Roberto Firmino. Personne n'a pu l'empêcher d'aller au bout. Un club de la capitale mené au tableau d'affichage. Le numéro 9, Roberto Firmino. Neymar. Allez, il y a du monde autour de lui. Il y a peut-être un coup à jouer. Neymar qui s'enfonce dans l'axe. Idriss Agueye. Le Parisien qui égalise. Oh, attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. Et avec ce but, tout est à refaire. Marco Verratti. Bien joué. Bonne sortie là du gardien. Il était dangereux ce ballon. Il a bien anticipé. Allez, dans le coup. Il a effacé le gardien. Le but est vide. Il va marquer. Il repousse le tir. Il contre à nouveau. Il avait tout compris là. Le défenseur, bien vu. Ballon perdu là par Neymar. Virgil van Dijk avec Roberto Firmino. La passe est interceptée. Moïse Keane. Il se dispute ce ballon. Mohamed Salah. Firmino. Wow, bien vu ça. Voilà, c'est la mi-temps qui intervient. Les deux équipes qui sont venues du vestiaire, qui vont pouvoir reprendre le jeu dans ce match très équilibré pour l'instant. Thiago Alcantara. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Ouais, bonne passe. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Marco Verratti. Kylian Mbappé. Mbappé en bonne position. Et le
but. Le but signé Kylian Mbappé. Oh, aux défenseurs adverses qui savent pourtant de quoi il est capable. Liverpool qui est mené. Le long de la ligne de touche. Ah oui, la bonne passe. Et l'arrêt du gardien. Voilà qui file en corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le ballon récupéré sur cette intervention. Alors que visiblement, on s'oriente vers une autre tactique pour l'équipe. Oh, ça peut faire but! Oh, que c'est bien défendu! Il y avait grand danger! Intercepté par Marco Verratti. Allez, rentrée! On est contré cette frappe. Neymar. Oh, penalty. Penalty. Il manquait plus que ça dans ce match. Ouais, bah, si le penalty est transformé, alors là, il va vraiment falloir cravacher derrière. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Le penalty qui est transformé. Le score qui est maintenant de 4 à 2. Décidément, on a des buts aujourd'hui. Une faute sur le joueur de Liverpool. Coup franc. Wijnaldum. Allez, c'est pour Firmino, ce ballon un petit peu lobé. Oh, ça aurait pu être son doublé. Car bien, sur s'interposer. Le ballon qui sort donc en corner. Oh, but pour Liverpool. Et le score qui est désormais de 4 buts à 3. C'est Liverpool. Le numéro 4, Virgil van Dijk. Oh, c'est beau, oh, c'est beau ce qu'il vient de faire Di Maria. Marco Verratti qui essaie de porter le danger. Oh, le bon ballon. Allez, le corner pour peut-être permettre à cette équipe de faire le break dans cette rencontre. Attention, ce corner de Neymar. Ouais, le bon arrêt du gardien qui éloigne le danger. Allez, une touche bien placée pour le PSG. Angel Di Maria. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Fabinho. Thiago Alcantara. Oh, c'est une occasion de but. Attention Navas, il a relâché le ballon. Liverpool qui perd le ballon. Ah non, le ballon est perdu. C'est une touche pour le Paris Saint-Germain. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Il file seul vers le but. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Bernat. Pour Neymar. Vous avez traité notre vieux diesel. Kylian Mbappé. Mbappé, Mbappé en bonne position. La cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour Marquez, c'était plus facile, c'est sûr. Le score qui est de 5 à 3. C'est deux buts d'avance, précieux. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Est-ce qu'il va centrer ? Raya qui choisit de revenir vers le centre. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Fabinho, et sa passe n'arrivera pas. Mbappé, dans ce genre de situation, difficile de l'arrêter. Oh là, heureusement qu'il était là.
Thiago Alcântara qui perd ce ballon. Allez, il tente la petite passe aérienne. Cherche quelqu'un au second poteau. Non, on se demande s'il y a vraiment cru. Touche. Il avait vu venir. Il ne reste que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Attention à la contre-attaque. Firmino. Quel dommage. Il avait réussi à créer le danger. Neymar. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Di Maria. Oh, ça c'était dangereux, bonne intervention. La passe de Fabinho, elle a été interceptée. Et Mets qui perd le ballon. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. Voilà une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Ballon perdu par les Parisiens. Il se présente face au gardien. Ouais, très beau tacle, hein. Il a sûrement évité une grosse occasion de but. Ouais, il a réfléchi, il a hésité, l'arbitre. Et bon, bah, au final, il s'est décidé. Oui, carton jaune. Le dégagement du point du gardien. En retrait pour un coéquipier. Allez, le but de l'espoir peut-être. Et ça y est, c'est terminé. L'arbitre qui a sifflé. 3 points qui vont faire du bien dans la course au titre. Même si rien n'est encore joué, ils prennent provisoirement la première place du classement. Ouais, ça va permettre de préparer la prochaine rencontre dans la sérénité. Belle performance de leur part. Et il faut confirmer, évidemment, dès la prochaine journée. Thank you.
salut à toutes et tous. Bienvenue à Liverpool dans ce stade d'Anfield. On va suivre ce match avec Pierre Ménès, vous le faire vivre. C'est le dernier match de la saison avec un titre en jeu dans cette rencontre. Liverpool contre Manchester City. Ces joueurs qui abordent cette ultime rencontre avec 3 points d'avance et qui donc pour être champion vont. Wijnaldum. Oh, la belle occasion! La belle occasion de faire la course en tête dès les premières minutes du match. Ouais, à la limite, c'est presque trop tôt. Il ne s'attendait pas à se retrouver si vite en position de marquer. Agüero. Paul Walker. Riyad Mahrez. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et tout le monde l'a voyé au fond, hein, vraiment, cette reprise de la tête. Ouais, peut-être, ça doit se jouer à un détail, mais finalement, elle frôle le cadre. Sadio Mané. Sadio Mané. Ah, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée dans cette... Oh, Firmino, très bonne position. Et ce but, c'est peut-être celui du titre. On rappelle qu'un nul suffit. Ils ont un petit peu d'air là. Ouais, on va dire que c'est bien parti. Ils voient mal en prendre deux. Enfin bon, c'est jamais avec eux. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Mahrez. Là, il fallait intervenir urgemment. Sadio Mané. Il a mis l'espace, il a mis l'espace. Sadio Mané, bonne passe. Roberto Firmino. Oh non, oh, il n'y avait plus que le gardien effacé. Ouais, il s'est un peu désuni au moment de la frappe. Ça manque de concentration, ça. Kevin De Bruyne. Ils ont le ballon, ils font tourner avec l'espoir d'égaliser, bien sûr. Allez, il peut prendre l'espace. Allez, ça peut amener un but. Il a été parfait, Ederson, là, sur ce 1 contre 1. En deux temps, peut-être ce corner. Le centre en retrait. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Manchester City qui perd ce ballon. Allez, Salah, il a du ballon, Salah. Bon, oh, dégagement, sans se poser de questions. Mané, attention, ça, ça peut devenir dangereux. Kevin De Bruyne. Ouais, elle est interceptée, cette passe de De Bruyne. Firmino. Le gardien sauvé par son poteau. L'arbitre qui signale que Firmino était hors jeu. Joao Cancelo. On écarte un petit peu le jeu. Ah, bien joué, hein. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Liverpool qui perd le ballon. Bernardo Silva. Ouais, très bon duel défensif, bien joué. Ah, il est passé, il file vers le but. Ça peut donner quelque chose, ça. Ouais, creuse l'écart. Il creuse l'écart. On va pas dire que c'est fait, mais on peut dire que ça sent quand même très bon. Ouais, moi je reste quand même toujours méfiant. Même si je dois dire qu'on n'est pas loin du match parfait. Hein. C'est un titre largement mérité, enfin pour l'instant. Roberto Firmino. Ah ouais, c'est bien fait ça. Oui, attention. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Wijnaldum. Plein de détermination, c'est bien. La passe de De Bruyne, mais qui rend le ballon à l'adversaire. Et l'attaque va s'arrêter là. Ça va être compliqué. Excellent pressing dans le camp adverse. Ils ont récupéré le ballon. Roberto Firmino.
Ouais, lumineuse cette passe. Non, c'est dommage, c'est pas bien joué. Salah, il va s'offrir un duel avec le gardien. Sortie impeccable du gardien qui est venu se coucher dans ses pieds. L'attaquant n'a même pas eu le temps de faire accrocher. Sterling. Ah, il a perdu le ballon, Sterling. Ouais, changement de possession, il va falloir se réorganiser. Firmino. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Riyad Mahrez. Sans vouloir enfoncer cette équipe, il faut bien reconnaître que c'est quand même très compliqué pour elle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'elle va s'en sortir ? Ce serait bien que Manchester City réagisse là. Ils ont vraiment du mal aujourd'hui, les Citizens. Ben, c'est pas une raison pour baisser les bras. Oh oui, encore une bonne passe. La fin du temps réglementaire est seulement une minute de rajouter par l'arbitre. Il essaye de trouver Sterling avec cette passe par-dessus. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Allez, c'est reparti avec, on l'espère pour les Citizens, une meilleure deuxième période d'un meilleur niveau. Le réalisateur qui partage des stats peu reluisantes pour Liverpool en termes de possession, mais c'est pas avec ce pourcentage qu'elle gagne forcément un match. Voilà, je sais pas si c'est... Oh, attention, c'est dangereux ça. Ouais, de la tête, ça sera une touche. Roberto Firmino. Fabinho. Et ce but, Pierre, on est d'accord. Pour l'instant, c'est le titre qui est en poche. Ah, les chiffres sont là quand même. Hein. C'est jamais impossible, mais là, à mon avis, ils se sont définitivement mis à l'abri. Et bien, l'intervention, changement de possession. Fabinho. Voyons comment Liverpool va développer cette action. Alors la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Sterling. Mané. Firmino. Salah. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Voilà, sur un coup franc pour les Citizens. Agüero qui a perdu ce ballon repris par l'adversaire. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Une faute sur le joueur de Liverpool, coup franc. Fabinho. Oh, ça peut faire but. Ouais, bien joué la défense, mais le danger n'est pas totalement écarté. Ouais, le ballon qui est perdu. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. La bonne passe dans l'espace. Attention, il n'a pas capté. Oh, l'arrêt d'Ederson. Oh, mais comment il a sorti ce ballon. L'entraîneur qui ne pouvait pas faire autrement, hein, que de le faire sortir. Ouais, c'est flagrant, il n'avait pas le niveau aujourd'hui.
Énorme interception. Roberto Firmino. Ah non, ça n'ira pas plus loin. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Ouais, il a tenté la passe en profondeur, mais le ballon est perdu. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Belle tactique demandée par l'entraîneur. Ah, il s'est un peu précipité là. Sadio Mané. Il avance balle au pied. Mané. Ah, c'est mal défendu ça. Oui, c'est même pas défendu du tout. Hein. Nathan Aké avec De Bruyne. Firmino. Attention. Très bon geste défensif. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Kevin De Bruyne. Oh là là, l'occasion. Roberto Firmino. Eh bien, quel que soit le score final, on peut dire que cette rencontre sera oubliée pour ces joueurs. Ouais, quoi qu'il arrive, d'ici la fin du match, Manchester City ne nous aura pas montré son meilleur visage aujourd'hui. Les supporters attendaient au moins une vraie réaction d'orgueil de la part de cette équipe. Et... oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Attention à nouveau. Oh oui. Et le but qui semble les mettre définitivement à l'abri. Bah c'est le but du sacre, hein, sûrement, à moins d'un invraisemblable retournement de situation. Ouais, ils appuient là où ça fait mal, histoire de se rassurer aussi. On sent un groupe qui veut éviter la fin de match compliquée. Il n'y a plus vraiment de suspense dans ce match, évidemment. Kevin De Bruyne. Paul Walker. L'entraîneur qui a fait signe à son défenseur central de monter. Oui, il a raison, il joue à domicile après tout. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Allez, 9 minutes, il ne reste que 9 minutes à jouer. Attention au déboulé de Salah sur le côté. Centre de Mohamed Salah. C'est une grosse occasion, vraiment cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup, le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision en fin de geste. On n'est plus très loin de la fin de la rencontre. Le titre qui est en bonne voie. Il fallait gagner. Pour l'instant, ça en prend le chemin. Ouais, à moins que d'un seul coup, la défense se mette à faire n'importe quoi. Je vois quand même mal le titre leur échapper. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ouais, joli coup d'œil de Firmino. Belle passe en profondeur. Ah ouais, il fallait sortir sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. Gabriel Jesus. Les trois dernières minutes de ce match, on y est. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il file seul vers le but. Et le duel qui est remporté par Alisson Becker. Bien joué, le gardien. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Ah, c'est bien défendu. Ilkay Gundogan. J'ai parlé un petit peu vite hein, sur ce dégagement. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Oh, le geste technique, c'est magnifique. L'arbitre qui libère les joueurs, c'est fini. Et libérer, c'est vraiment le mot. Après un dernier résultat qui leur offre le titre. Un titre mérité, Pierre. Oui, Hervé, c'est tout à fait mérité. Ah, il y avait de l'idée. Bay Fred Setback, euer Sphäre, die ist lange vor ein Payback. Cake rollen mit dem, bis we go way back. Ja, hören Träumen, mit der Rolle, ihn Mayback. Ja, ja, Lilan ist so die Klar, ja, hat Jetlag. Yes, I bin aber laid back. Trop aber die Straight Facts. Die wissen immer mein Pack, Pack. Ah, Rupo. Eis, komm ein, mit Phil Scopo. Ey, ey. Rupo, Ola, Ola, abgeben, nur dicke Glupo. Ey, ey. Einige Trupo, ey, ey, Rupo, die wir hate vor den Männern mit der Oko. Ey, ey, Erdummelabel, Batman, nice Erdummelabel.
Yo, er du dum eller hva? Må derfor ved min side på en kaldtægt skade. Er du dum eller hva? Man, dem spiller hård, men det er bare en facade. Stik mig en big party gal, og jeg er glad. Spørg lige dig selv, er du dum eller hva? Kommer lige fra bunden, og vi rammer kun toppen. Ung dreng med vision, hvem skulle kunne stoppe den? Jeg kendte i kvarteret, du kan spørge dem på blokken. Yo. Falla loka, vinter og runder, og dem kan man droppa. Jeg er helt bedøvende, tapper som Pogba. Ikke for barn, er du dum eller hvad? Er du dum eller hvad? Var jeg ikke til det klip? Dum eller hvad? Giver dem fra Tunis? Dum eller hvad? Kannibal, jeg skal spise, når de kender rutin. Ja, de kender rutin, er du dum eller hvad? Var jeg ikke til det klip? Dum eller hvad? Står fra Tunis? Dum eller hvad? Kannibal, jeg skal spise. Tiden den er ind, og det er tid til at vise, hvem der var med af is. Er du dum eller hvad? Batman, nice, er du dum eller hvad? Yo, er du dum eller hvad? Må derfor ved min side på en kaldtægt skade. Er du dum eller hvad? Man, dem spiller hård, men det er bare en facade. Stik mig en big party gal, og jeg er glad. Spørg lige dig selv, er du dum eller hvad? Yo, er du dum eller hvad? Er du dum eller hvad? Er du dum eller hvad? Salut à toutes et tous, très heureux de vous accueillir ici à St James Park. Tout le monde est prêt, le coup d'envoi dans quelques instants. C'est le tout premier match de la saison, c'est important. Newcastle United affronte le Real Madrid. Une rencontre qui va nous permettre de jauger l'état de forme des tenants du titre, Hervé. Ils se présentent dans les mêmes dispositions que la saison dernière. On peut tout de suite en faire des prétendants à leur propre succession. Eh oui, bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Modric, Benzema. Oh, il y est ! Oh, le premier but dans cette rencontre ! Une rencontre qui démarre à fond ! Un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Sergio Ramos. Casemiro. Sergio Ramos. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Alors, il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Attention, attention à lui. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Alan Saint-Maximin. Casemiro. Oh, ballon qui est donné en profondeur. Oh, ballon de but là pour Karim Benzema. Ouais, pas le bon choix sans doute. Manquillo. Miguel Almirón. Callum Wilson. Saint-Maximin.
Il se présente face au gardien. Oh, il va la mettre celle-là. Oh, c'est un but. Le but qui était vide. Allez, tout est à refaire. Un but partout. Saint-Maximin. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il a débordé la défense. Wilson. Oh là 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 là, il y avait mieux à faire avec un ballon pareil. Ah, tu m'étonnes qu'il y avait mieux à faire. Ballon rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Karim Benzema. Il l'a bien vu, il l'a bien vu, c'est bien joué. Oh, il est pour hasard ce centre. Ouais, le but, oh, qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Ah, il progresse bien là. Ah, et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Benzema. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Ça peut encore être dangereux. Oh, but du Real. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Callum Wilson. Il lui redonne. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Évidemment, on rattend ce genre d'occasion. Pas grand chose à attendre aujourd'hui. Allez, ça va peut-être venir. 2 buts d'avance, ça se remonte, on peut rêver. Oui, ça s'est donné comme il faut. Allez, il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Et ce ballon qui est perdu. Bien donné encore une fois. On s'approche du but. Ça va, parce qu'il intercepte cette passe. Il y a faute là, c'est évident. Wilson. Il s'enfonce. Alan Saint-Maximin. Le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Attention à la contre-attaque. Hazard. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. L'équipe à domicile qui affiche un petit peu plus ses intentions. Hervé, l'entraîneur, a demandé à son défenseur central de monter pour appuyer les attaques. Casemiro. Fernand Mendy. Federico Valverde. Fernand Mendy qui n'a rien souffert de ce ballon et qui du coup l'a offert à ses adversaires. Ouais, c'est bien joué défensivement, bien vu. Benzema. Allez, après tout, pour personne pour l'arrêter. Attention. Oh, la belle parade du gardien, Pierre. Ouais, c'est lui qui remporte ce duel finalement. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. C'est une grosse occasion, vraiment, cette tête qui frôle le montant. Oui, il joue bien le coup. Le timing était correct, mais un petit peu d'imprécision en fin de geste. Un petit peu la panique dans la défense en ce moment. D'ailleurs, les statistiques le confirment au tableau d'affichage. Comme au nombre d'occasions créées, il n'y a pas photo. Alan Saint-Maximin. Ah non, c'est pas bien fait ça. Et il n'y aura qu'une minute de temps additionnel à jouer. Wilson. Trois buts à un, ce sera le score à la pause.
match qui reprend avec donc cet avantage pour le Real Madrid pour l'instant. Christian Atsu, Callum Wilson. Oh, c'est bien donné en profondeur. Un petit peu court ce lob, monsieur. Ouais, la torsion était bonne pourtant. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Il frappe vers le but vide. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. On va construire en passant sur les côtés. Vinicius Junior. Le duel pour la possession. Le pressing qui paye dans le camp adverse. Attention à la frappe. Bien repoussé par la défense. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Le Real Madrid qui obtient un coup franc. Les joueurs à domicile et qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Callum Wilson. Ouais, il lui donne carrément. Fernand Mendy. Ballon rendu à l'adversaire. Allez, qui va reprendre ce ballon. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ouais, bien donné ce ballon. Ouais, s'il trouve son partenaire, c'est bien joué. Ouais, bien joué. Très bien joué de la part du gardien. Excellente sortie dans les pieds. Casemiro. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah, c'est bien donné ce ballon. Ah, il aurait dû retarder son appel. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah, il a bien lu le jeu. Federico Valverde. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Vinicius Junior. Il garde le ballon. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Il avait vu venir. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Ça manque de monde hein, derrière. Allez, il faut essayer de créer un petit peu de mouvement. Christian Atsu. Oh, c'est dévié! Heureusement, sinon ça faisait but! Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois. Hein. C'est dévié, ça sort en touche. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Alan Saint-Maximin. Wilson. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. La frappe. C'est un but qui leur permet de réduire l'écart. Attention, l'égalisation devient possible, envisageable. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Ah, la passe mal ajustée, il récupère un ballon facile. Et touche pour le Real. Casemiro. Et devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Il va être à bout portant. Karim Benzema. Oh, le Real qui marque. Il met à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Karim Benzema. Christian Atsu. En profondeur, oui, bien vu. Alan Saint-Maximin. Allez, ça doit aller au fond, ça. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Le centre en retrait. Manquillo. Et il marque. Il
Une véritable avalanche de buts dans ce match. Genre de rencontre qu'on adore, mais que les entraîneurs détestent. Oh, ça va pousser hein, dans les dernières minutes pour égaliser. Il file seul vers le but. Oh, il y est. Oh le but! Oh le but qui remet les deux équipes à égalité! Plus que 9 minutes à jouer dans cette rencontre. Un ballon très important pour le Real Madrid. Karim Benzema. Et l'arbitre qui laisse l'avantage pour le Real. L'arbitre qui a sifflé coup franc. Ah, c'est une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match. De prendre l'avantage. Oh le but! Le gardien qui avait complètement déserté son but. Bon, on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Eh ben les voilà qui prennent l'avantage. Ouais, c'est sûr, c'est un but qui va faire mal. Maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. Allez, s'ils veulent arracher le nul, c'est sur cette dernière occasion. Il a débordé la défense. Et le but, l'égalisation. Ils reviennent à un score de parité. Et c'est encore un retour au score, une nouvelle égalité. Modric, et qui va trouver un adversaire sur cette passe. Un superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. Casemiro. Le Real Madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match. Casemiro. Allez, il faut le mettre celui-là. Ouais, il repousse, ça joue. Centre en retrait. Pas de souci pour le gardien. L'arbitre qui siffle la fin du match. Et les tenants du titre qui se font donc accrocher d'entrée de jeu. Ils ont un petit peu manqué d'eau. Control my body. If you think you can go with me, baby, turn up this heat. Unwind.
Très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. Pierre Ménès a pris place à mes côtés pour vous faire vivre avec moi ce grand rendez-vous de foot. Le Paris Saint-Germain face à Newcastle United. Ouais, je m'attends à un match assez tendu entre ces deux équipes. Après le match nul de l'autre jour, une défaite serait mal vécue et surtout hypothéquerait les espoirs de fin de saison. Allez, l'occasion peut-être de mener. L'ouverture du score, alors qu'on sortait à peine du round d'observation. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Il porte le ballon. Un long ballon, loin devant. Ça, c'est très bien défendu. Devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Oh, le gardien qui remporte son duel. Ouais, les défenseurs se sont fait avoir, mais pas le gardien. Ah, il est bien tiré le corner là. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. C'est une touche. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Et la touche. Ouais, il avait vu venir. Mbappé. Mbappé. Oh, ça revient vers Neymar. Allez, il peut prendre l'espace. Oh, le petit ballon piqué. Un superbe balle piquée pour tromper le gardien. Allez, voilà, ça fait maintenant du but d'écart. Hein. 2-0 au tableau d'affichage. Et ce sera une touche. Intervention parfaite, hein. Bonne anticipation. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah non, le ballon est perdu. Le ballon de Mbappé rendu à l'adversaire directement. Neymar. Attention à Neymar. Et le magnifique arrêt du gardien. Il risque de perdre le ballon là. Les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Verratti, le bon ballon en profondeur. Ouais, très joli but. 3-0, ils prennent le large. Le numéro 7, Kylian Mbappé. Neymar. Perd le ballon. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Hors jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. On va construire en passant sur les côtés. Neymar. Mbappé en bonne position. Et c'est donc un triplé. Ah, c'est magnifique, hein. Il se souviendra de ce match. Ouais, ça fait 4-0 maintenant, l'addition commence à être lourde. Par les Parisiens, on s'approche du but. Ballon en profondeur. Eh oui, le but. Allez, il sauve l'honneur avec ce but. Le score qui est maintenant de 4-1.
Alors, qui voit sa passe interceptée. Wellington en récupération et peut-être une action dangereuse. Il prend sa chance. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. La passe est coupée et bien défendue. Ouais, écoute, il fait de l'arbitre, il y a hors-jeu. Neymar qui continue. Le ballon qui sera repris finalement par Kimpembe. Devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. C'est intercepté par Idrissa Gueye. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Fabien Char, Jeff Hendrick, Isaac Hayden. La passe est interceptée. Mbappé, bonne passe d'Mbappé. Il manquait peut-être de conviction cette attaque. Allez, occasion, occasion pour Neymar. Saint-Maximin, Jolinton. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Oh, il est passé, l'action continue. Il a frappé, il a été contré. Encore un bon ballon. Et l'arbitre qui indique le chemin des vestiaires. Le score, 4 buts à 1. Et c'est donc parti pour la seconde période. Et on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Oh oui, encore une bonne passe. Perdu, mal donné par Kylian Mbappé. Attention à la contre-attaque. Ce contre qui n'ira pas plus loin. Kylian Mbappé, Marco Verratti. Attention à Neymar, attention à Neymar. Et il y est! Le score fait désormais de 5 buts à 1. Le numéro 10, Mbappé. Di Maria. On concède le corner après ce tacle. Il n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. Ça a été dévié. Touche. Il va pouvoir centrer. Attention! Un superbe geste défensif. Place là pour une contre-attaque. La contre-attaque qui se développe petit à petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Miguel Almiron. Wellington. Non, ça c'est pas très bien joué. Manel Kimpembe. Neymar qui a fait l'effort pour venir s'emparer du ballon. Allez, il y va. Kylian Mbappé, attention, ça c'est dangereux. Allez, oui, il va y aller. Oh oui, elle est dedans.
Et le score qui est impressionnant. Ça fait 6-1 désormais. Le numéro 11, Angel Di Maria. Neymar. Mbappé en bonne position. Ah, ce ballon piqué.
what we talking about? Unity. Unity. We suffer too long, oh. Unity. For every black man. Unity. Yes, we're gonna change, oh. Unity. Unity. Caribbean people. Unity. Unity. Brazilian people. Unity. Oh, one and all. We suffer too long, oh. That time is at hand. Look how long we've been fighting each other, carrying bags and hands. Yet we knew all along that the only way forward is unification. That time is now at hand, where nations and nations must acknowledge their creation. Oh, mighty people, sunburned face, among all other nations, rise and take your place. What you talking about? Unity. You think that I'm mad? Unity. Where can I find it? Unity. I'm looking hard. Unity. Oh, oh, oh. Unity. For all of my people. Unity. Oh, African man. Unity. You suffer so long, oh. Unity. Oh, oh, oh. Unity. We did not die in that diaspora. A greater fate awaits. Yeah. Come, let's get this movement here together. Tomorrow may be too late. Yes, I know, among us, they are traitors and spies. But no one can stop us if we're truly unified. I know, among us, there are wolves among the flocks. But no one can stop us, and to conquer they cannot cause. Unity. What am I calling? Unity. For every black man. Unity. Hey, what I call. Unity. Don't think that I'm crazy. Unity. Some say that I'm mad. Unity. Where can I find it? Far too long we've been fighting each other, carrying bags and hands. Yet we knew all along that the only way, the only... What am I talking? Unity. What am I talking? Unity. For every black man. Unity. We suffer so long, oh. Unity. At home and abroad. Unity. What am I talking? Unity. You think that I'm mad? Unity. Oh, oh, oh. African people, unity. Caribbean too. Come everybody, unify. Ah, ah. We'll be right back.
Bienvenue à Old Trafford. Vous le voyez sur ces images, il fait très beau aujourd'hui sur Manchester, on va pas s'en plaindre. Vous attendiez cette rencontre, et bien nous aussi. Je vais avoir le plaisir de vous la commenter en compagnie de Pierre Ménès. Et on a hâte que ça commence, Pierre. Ouais, ça sent le bon match aujourd'hui, on doit assister à une belle opposition. Le ballon dans les pieds de Maradona. Changement de possession. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Ah, c'est pas loin. Pas loin du tout. Il a voulu jouer en finesse, c'est bien vu, mais ça n'a pas payé cette fois. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Drogba balle au pied avec un adversaire sur le dos. Patrick Vieira. Didier Drogba. Tranquille derrière. Un ballon à jouer pour Gattuso. Le joueur à surveiller de près. Ah, comme finisseur, vous ne trouverez pas mieux. Hein. Ah non, la balle est récupérée par Ferland Mendy. Et ça sort en 6 mètres. Chercher une solution. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Ouais, la bonne passe de Drogba. Ouais, manquait peut-être de conviction cette attaque. Garincha. Oui, la bonne passe en profondeur de Garincha. Il peut poursuivre son action. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On revoit sur ces images la passe en profondeur, tout par de là. Et après Kylian Mbappé qui trompe la vigilance du gardien d'un ballon glissé petit côté. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Ah, c'est bien défendu et du coup le ballon qui sort. Hugo Sanchez, Patrick Vieira. Ah, il a bien lu le jeu. Ah, il protège son ballon. Kimmich. Kylian Mbappé. Ah, il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Drogba. Kimmich. Le bon ballon en profondeur. Garincha qui joue dans l'espace, bien joué. Oh, le poteau. Il est un petit peu cerné là. Allez, c'est fait exprès pour préserver le suspense là. Il y a un aimant dans le ballon à tous les coups, c'est truqué, c'est truqué. Oh, mauvaise relance. Ouais, impeccable la récupération. Ouais, le tacle qui met fin à cette action, c'est un corner à venir. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Avec Hugo Sanchez. Il cherche le second poteau. Ouais, ce sera à 6 mètres alors qu'il était en bonne position. Gattuso maintenant. Mbappé. Et devant leur public, ils décident de presser. L'objectif est clair, c'est d'étouffer l'adversaire. Drogba. Allez, l'occasion de marquer avec ce duel. C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. Alexander Arnold. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Mal joué, mal négocié ce ballon. Drogba. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Ça s'est donné à l'adversaire. Allez,
danger certainement avec Kylian Mbappé. Karim Chah, le centre en retrait, attention. Le ballon qui a été contré. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand-chose parfois. Hein. Attention à la contre-attaque. Le ballon. C'est contré. C'est pour Kevin De Bruyne dans la surface. Ça n'ira pas plus loin. Kylian Mbappé. Le bon ballon. Et le but. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. Et tout est parti de ce contre avec un joueur qui part seul au but. Il a bien résisté au retour de la défense et il a laissé aucune chance au gardien. C'est une belle action individuelle. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, il lui remet. Oh oui, encore une bonne passe. Pour Didier Drogba. Joshua Kimmich. Ouais, bien donné ce ballon. Kylian Mbappé. Kevin De Bruyne. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. La passe lobée à destination de Roberto Carlos. Ouais, de la tête, c'est superbe. Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les conditions semblent... réunis pour qu'on ait vraiment un bon match. C'est Hervé Matou au micro, ravi de commenter ce match pour vous en compagnie de Pierre Ménès. Dans un instant, United défiera les rebelles. Oui Hervé, moi je suis venu voir un beau match, hein, alors j'espère qu'on va le voir. Rashford. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Garincha. United qui passe à l'offensive avec ce ballon. Oh, bien coupé là par le défenseur. Kimmich. Kevin De Bruyne. Rashford.
Super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Ouh là là, trois changements d'un coup. Ça, c'est plutôt rare. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Et non, ça ne donnera rien au final. Neymar qui perd le ballon. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, le bel arrêt. Ouais, excellent. Très, très bon arrêt là du gardien à bout portant. Ouais, il fallait le faire. Le corner qui est joué en deux temps. Oh, ça, c'était dangereux. Bonne intervention. Et ce sera une touche. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. On n'a pas de carton jaune, l'arbitre veut calmer le jeu. Le ballon rendu à l'adversaire. Attention à ne pas commettre de faute. Ah, c'est mal défendu ça. Oui, c'est même pas défendu du tout. Hein. Corner, attention à ce coup de pied arrêté. Ouais, bien tiré ce corner. Ah, il se pose pas de questions. Long dégagement. Très sans complexe, l'équipe visiteuse qui fait du pressing maintenant. Oui, parce qu'elle sent sûrement que l'adversaire a trop de liberté dans la construction de son jeu. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Si vous demandiez ce que les supporters pensent de cette décision, bah maintenant vous le savez. Donne en retrait. Il faut trouver quelque chose à faire de bien. La contre-attaque décolle, la contre-attaque parfaite qui se termine en plus au fond du filet. Ouais, c'est un modèle du genre, vraiment. De la vitesse, du sang-froid. Bravo les gars. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Kylian Mbappé, il a un boulevard devant lui. Attention parce qu'il adore ça. Allez, il a un petit peu d'espace sur l'aile. Michel Ballack. La balle pour égaliser. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Et le ballon qui change de camp. Ouais, lumineuse cette passe. Attention, parce que ça peut faire mal. Oh, elle a perdu pour perdre. Et le but! Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir ici à Anfield. Hervé Matou avec à ses côtés Pierre Ménès qui vont vous faire vivre ce qui sera certainement un grand match. De foot, on l'espère. On devrait assister a priori à un bon match, hein, Pierre. On devrait assister à un bon match aujourd'hui et on espère ne pas se tromper.
va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Kevin De Bruyne. Karim Chat. Oh, c'est une marque, ils vont passer devant, attention! C'était une occasion nette, mais le danger est écarté. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Kimmich. Boutragueño avec le ballon. Allez, il tente la petite passe aérienne. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Ben Yedder. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Et l'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer le hors-jeu. Une tactique qui peut s'avérer payante quand on joue à l'extérieur. Wissam Ben Yedder. Alphonso Davies. Il la joue un petit peu comme au hand, on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ah, bien joué, les Rebels qui ont perdu ce ballon. Ouais, très bonne passe à De Bruyne dans l'espace. Allez, on peut égaliser là. Mais oui, le but! Le gardien qui était parti au champignon, je ne sais pas. Et ils égalisent donc un but partout. Renato Sanchez. Wissam Ben Yedder. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Mbappé. Un peu de passe d'Mbappé. Ouais, bel appel de balle. Ouais, la tentative. Oh, c'est contré ce tir. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Davis. Ricardo Pereira. Renato Sanchez. Bruno Fernandes. Ça n'ira pas plus loin. Ah, c'est bien donné ce ballon. Rashford. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Le ballon dans l'axe. Attention. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Kimmich. Les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Wissam Ben Yedder. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il était bien placé pour intercepter cette passe. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Wissam Ben Yedder. Il est bien redescendu, il a récupéré le ballon. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Ouais, il a le temps de centrer. Ouais, ballon qui sort, c'est très bien défendu. Et ce ballon qui est perdu par les Rebels. Il s'avance vers la surface. Oh, le but! Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre! Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Kimmich. Les passes qui sont très soignées, ça circule très bien. Oh, il y est! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre! Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Un défenseur central qui va essayer de créer le surnombre en attaque. Ils évoluent à l'extérieur, mais ils veulent créer du jeu, c'est bien.
De Bruyne. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Kylian Mbappé. Oula, il fallait intervenir urgemment. Kimmich. Un petit peu d'espace devant lui. Il essaye de trouver Ben Yedder, mais qui est bien entouré. Oh, il était temps d'intervenir là. Mbappé. Ouais, ballon qui est donné en profondeur. Ouais, bonne interception, il y avait vraiment danger. Boutragueño avec le ballon. Wissam Ben Yedder. 3 buts à 1, ce sera le score à la pause. Ah, on a déjà eu beaucoup de buts hein, en 45 minutes. Seconde période, il peut encore se passer plein de choses, hein, Pierre. Ah, tout dépend de ce qu'ont décidé les entraîneurs, hein, puis aussi de la fraîcheur des joueurs. Renato Sanchez. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Une bonne passe d'Mbappé. Ah, c'est dégagé en corner. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, bon arrêt tranquille sur cette tête. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Renato Sanchez avec Ben Yedder. Attention, attention à lui. Le défenseur qui repousse finalement le danger. Ils ont eu chaud, hein. Fernand Mendy. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Ah, c'est le pressing à tout va maintenant. Hein. Ouais, l'équipe à domicile veut gêner l'adversaire dans sa construction. Oh, perdu bêtement. Rashford. Oh, s'il marque, il relance le match. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Mbappé qui s'est un petit peu troué sur ce ballon, qui perd la possession. Ouais, bien joué, les Rebels qui ont perdu ce ballon. Alfonso Davis. Bon choix, Kimmich. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, danger éloigné, mais ça joue. Je ne sais pas comment il a fait, mais c'est une sacrée occasion qu'il vient de louper. Alors, on place là pour une contre-attaque. Oh, le gros exploit personnel, attention. Kylian Mbappé. Oh, but, le gardien qui est complètement parti à l'aventure. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Pas de jouer de la part de Mbappé et qui rend le ballon à l'adversaire.
Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ah, dommage, le ballon qui est perdu. Wissam Ben Yedder. Attention, il a du champ devant lui. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu faire là? Et en tout cas, il s'est raté. Kevin De Bruyne. Il faut qu'il centre là. Il est parti trop tôt, dommage. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Les joueurs à domicile qui vont presser maintenant. Nouvelle tactique demandée par l'entraîneur. Garincha. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Kimmich. Allez, il a du champ. Il donne dans l'axe, attention. Bruno Fernandes. Butragueño. Ça, c'est pas très bien joué. Rashford. Oh oui, geste. Oh, c'est une balle d'égalisation. Très bon geste défensif. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Wissam Ben Yedder. Renato Sanchez. Ouais, ça, c'est bien vu. Et non, ça va s'arrêter là. Pour Roberto Carlos. Kevin De Bruyne. Et Costa. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions pour eux dans ce match. Ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. C'est un ballon perdu. Les Rebels à l'attaque. Oh, bien coupé là par le défenseur. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Ah, la défense qui a du mal. Oh, c'est un but, le but qui était vide. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score, on se régale. Ah, dommage, ça n'ira pas plus loin sur cette action. Wissam Ben Yedder. Ouais, on passe par les côtés. Mais oui, coup franc, indique l'arbitre, il y a eu bien faute. Le coup franc n'est pas tiré, du à deux. Ben Yedder peut-être à la réception, mais il y a du monde. Mais non, c'est son danger, cette reprise de la tête. Ouais, ça passe assez loin du cadre. Terrible ce ballon. Ricardo Pereira. Renato Sanchez. Oh, que c'est bien donné ça. Attention, ce ballon piqué. Oh, Derrea qui s'illustre sur ce ballon. La bonne protection du ballon là. Bien campé sur ses jambes. La rencontre qui vient de se terminer, Pierre, sur la défaite de cette équipe qui jouait pourtant devant son public.